Bien. Bon, bah du coup, je rentrerai par là. Pour le moment, je n'ai pas mis le fil électrique supplémentaire. Alors, fil électrique, mais qui ne sera pas électrifié. Hein, c'est juste pour éviter que les poulettes... Bon, elles passent, hein, si elles veulent, hein, elles ont des ailes. Hein. Et je ne coupe pas le bout des ailes, bah déjà d'une parce qu'il faut les attraper, que bon, là ça y est, maintenant elles ont compris à peu près que c'était là-dedans que ça devait se passer. C'est pour ça aussi que je ne me précipite pas de leur laisser cet espace, parce qu'une fois qu'elles auront compris et imprimé que c'est du territoire pour elles, le jour où je voudrais les remettre de ce côté-ci, ouais, ça risque d'être voilà, un peu plus compliqué. Donc bon, bah voilà. Je ne regarde pas la météo, je ne sais pas s'il y a des chutes annoncées. Probablement que j'irai rechercher un tréteau. Ouais, c'est vrai que 3, j'ai été un peu léger. J'ai encore une tôle à mettre. Donc ça viendra à peu près jusque-là. Ouais, j'ai des petits bras. Pour une douzaine de poules, ça va. Reste à voir. Si, je mets des parpaings au bout là pour surélever un peu, ou alors pour caler, parce que s'il y a du vent, bah je ne sais pas, je m'en rends pas compte, elles sont quand même pas si légères que ça. Le vent dominant généralement arrive de cette direction là, ça devrait pas bouger quoi. Surtout que si entre-temps il est retombé de la neige, ça va tout tasser. Ça devrait aller. Bon, bah voilà. Je suis à peu près prêt. Je vais peut-être commencer à mettre les fils. Je vais en mettre, ouais, deux rangs. Pour l'instant, je ne visse rien dans les piquets. Bon, puisque ça, pour l'instant, c'est censé être provisoire. Voilà. Bon, bah, depuis le temps que ça traînait. Et moi, ça va me permettre aussi de voir comment ça réduit quand même mon espace, hein, parce que là, le petit loup commence à prendre de la place. Alors, je veux qu'elles soient bien les bestioles, certes, mais je veux pas non plus avoir l'impression que ce soit moi qui soit enfermé, qui vive dans le poulailler. Bon, voilà. Bon, allez, je rajoute du fil sur les piquets, et puis ça ira bien comme ça.